Bonjour à tous, on se retrouve pour la 42e partie du Let's Play de Alundra sur PlayStation. Donc nous allons reprendre là où nous nous trouvions. Donc maintenant, nous devons rejoindre les cavernes de Magiscar. Donc voilà Mia, donc qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, oui d'accord. Non mais ça vaut le coup. Et dire que la partie précédente, je l'ai arrêtée sans lui parler parce que j'avais peur qu'elle parle trop longtemps. Et en fait compte, elle ne dit rien. C'est vraiment génial. Bon, allez maintenant Magiscar, on le sait, c'est par là. Hein. Que je vous rappelle si vous l'avez oublié. Que par contre, je crois que je l'ai fait ça. Juste. Je vous rappelle que Magiscar, on était passé devant hein, quand je cherchais bêtement la mine. Oui, c'est ça. Il me faut la graine pour aller chercher le coffre qui est en haut. Ça n'a pas changé. Juste pour voir si je pouvais monter. Effectivement, je peux. Bon, allez, on y va. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je vérifie un petit. Non. Bah merde, pourquoi cette plateforme-là devait servir à quelque chose? C'est peut-être pour plus tard. On désigne quelques arbustes en route, comme ça je peux enfin récupérer toute ma santé. Oh, c'est par là à gauche, on s'en fout. On s'en fout pour le moment. Une arche, on va en profiter pour l'activer. Bon, comme pour l'autre, pour l'activer, il suffit de passer dedans. Voilà, deuxième arche activée. Donc comme vous le voyez, maintenant je vais vous montrer. Et voilà, on a changé de quartier. Voilà, c'était pour vous montrer comment ça marchait. Bon, et maintenant, on retourne du côté de Magiscar, je vais y arriver. Donc évidemment, une fois qu'on aura activé les 8 arches, ça sera un petit peu plus pratique pour se déplacer. Voilà, donc Magiscar, chez là-bas à droite. Voilà, on a le drapeau. Oh, putain. Bon, oui, on la voit. Il faut que je fasse le tour pour remonter. Ça sert à quoi le coffre qui est de ce côté-là? Est-ce que je peux l'atteindre? Apparemment non. On va juste aller voir par là ce coffre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. C'est vachement utile. Hein. Et merde. Je suis juste en train de me balader, j'arrive à me faire toucher bêtement. Je sais pas si j'ai bien fait de descendre. C'est moi et je fais plusieurs trucs en même temps. Ah, nouveau type d'ennemi, vous allez voir. Si j'arrive à passer pour m'approcher. Ouais. Sans retomber, ça aurait été bien. Un arbre vivant. Et il est super long crevé en plus. Il y a un magnifique arrière-plan. Non, non, on est coincé, on peut pas aller plus loin. Non, laissez comme ça. Aïe. Et re-aïe. Putain, je peux même pas l'avoir comme ça. Je quai des coffres un peu partout. Mais c'est pas possible. You. Mais c'est pas vrai ça. Oh, faut arrêter un peu les conneries là. Mais ces foutus arbustes qui sont pas foutus de me refiler de la vie.
Il n'y en a pas un. Mais du coup je vais là. Je suis en train de me tirer en fait. J'étais devant Magiscar, je suis en train de me barrer bêtement. Qu'est-ce qu'il y a en mode échelle? Ah, oh, où on est. Mais tout à fait. Elle est quand il y avait un passage derrière. franchement, depuis le temps que je connais ce jeu, c'est la première fois que je découvre ça. Hein, franchement. Hop. Petit raccourci. Maintenant, on va vraiment y aller à Magiscar. Hein. Là, on a perdu un peu de temps à faire ça. Surtout que ça a servi à rien tout ce que je viens de faire. Non mais franchement là depuis 2 minutes vous devez être en train de vous dire mais putain qu'est-ce qu'il fout là. Eh ben mais ça c'est moi. Hop. Donc magie, j'ai entrée de Magiscar, c'est par là, on va y aller maintenant. Donc, on va commencer par défaire de ces bestiaux sans se faire toucher. Tant qu'à faire. Voilà. Hop. Allez maintenant c'est parti. Automatique. Que s'est-il passé, Alundra? Quoi? Vraiment? Gilles s'est totalement rétabli, c'est fantastique, Alundra! Tu as réalisé un véritable miracle aujourd'hui, mon garçon. Alundra, tu es un modèle pour tous, j'ai été témoin de ton héroïsme, je suis fier de te connaître. Nous avons de la chance de t'avoir parmi nous, Alundra. Super, Gilles est sauvé, l'affaire est close, d'accord? Rendez-vous au village, ok? Rentrons à la maison, Lutas, à bientôt, Alundra. Donc là, évidemment, les villageois vont se tirer. Ah, il revient. Alundra, fais en sorte de rester loin de la fissure à l'arrière de Magiscar. Je crois que le mur peut s'effondrer à tout instant. C'est mauvais signe, si tu vois ce que je veux dire, mon ami. Ouais, on s'éloignait. Mais comme nous, comme on est des fous, on va y aller en plein dedans. Voilà. Donc, si je me souviens bien... Hop. C'est ça que t'appelles s'écrouler. Allez, c'est parti. Magiscar. On va commencer par faire du désagage d'arbustes, mais ça sert pas à grand chose. Ah, oh, il rebloque ses ennemis que je déteste. Je vais essayer de passer au fléau pour l'avoir de plus loin. Non, relève-toi. Allez, comment vous voulez que je le batte hein, s'il revient pas? Voilà. Bon, là, désolé, le cristal de vie, j'irai pas le chercher. Sinon, ça va faire quand même avec le joueur du grenier. Hein. Si vous avez regardé le test de Tortue Ninja. Hein. En fait, tu rentres dans un bâtiment avec l'énergie pleine pour récupérer une pizza qui te permettra de récupérer l'énergie que tu vas perdre en y allant. Ah, franchement, je vous conseille de regarder. Donc en haut vous avez vu qu'il y a des ronces, faut utiliser ces torches en feu. Tout faire en évitant de me faire cramer moi-même. Donc, heureusement, on a de quoi faire. Voilà. Allez, on continue. Avec encore une bande d'ennemis que je déteste. Même si j'ai encore besoin de toucher, mais sérieux. C'est chiant ça quand il retombe. Oula, j'ai eu un peu de chance quand même dans mon malheur. Et vous voyez qu'il y a la plaque de sauvegarde en bas. C'est vraiment tout ou rien. Et il y a des moments. Vous devez. Je sais pas si vous vous souvenez de la caverne. On va prendre celle-là de torche. De la grotte côtière, pardon. La plaque de sauvegarde, et la plaque de sauvegarde a été juste avant le boss, là regardez, j'ai à peine de rentrer, elle est déjà là. On va pas la faire tout de suite. Alors où est-ce que nous nous trouvons? D'accord, je vois. Non. Voilà, ça va c'est obligé. C'est comment vous voulez le taper au corps à corps sans vous faire toucher? Donc là en fait, pour faire avancer la plateforme, il faut se mettre
mettre son personnage dans le sens où on veut qu'elle se déplace sans tomber du bord serait d'accord. Merde. On se voit. Je le sens mal. Vous voyez les trous? Voilà, c'était obligé. Ah. Non mais où tu vas toi? Allez, c'est pas le contact. Bon alors maintenant ce qu'il faut c'est récupérer la torche, je vais y arriver, donc pour cela, on va mettre les tonneaux l'un sur l'autre. Nickel. Ça, ça me donne suffisamment de hauteur. Je ramasse. Et je fais tout crier. Je fais tout crier. Est-ce que ça pourrait me donner un peu de vie, ça? Même pas. Radin. Bon, alors maintenant, il faut se défaire ces deux bestiaux. Vous voyez qu'il y a un coffre en haut. C'est pour cela que nous sommes ici. En fait, ceux-là, on peut pas les battre sans se faire toucher. Oui, et... Et tout? Il n'y a pas un problème là, je suis comment pour monter? Excuse-moi, mais moi je veux bien, hein, mais. Bah ouais. Là on a un problème, hein. Hop. Je peux pas utiliser les tonneaux. Ouais. Je peux pas utiliser les tonneaux, je peux pas monter avec. Un bug ou c'est moi? Ou c'est moi qui suis doué quand même en chabalet? Il me faudrait les tonneaux pour pouvoir monter, mais comment tu veux que je les récupère d'en bas? C'est impossible! À moins que je fasse. Attendez, j'ai peut-être une technique. Peut-être que comme ça peut marcher. Mais c'est vraiment n'importe quoi! Putain, il fallait le savoir quand même. J'espère qu'avec un ça suffit. Hein. A tous les coups, il va me falloir le deuxième. Et ouais, il me faut le deuxième. Mais putain. Ah non, hé hey. Je vais pas faire ça pendant 15 jours. Hein. Hop. Il retombe pas tout de suite. Là. Hop, hop. Voilà. Bon, maintenant, on va récupérer le coffre en vitesse. Et évidemment, j'ai posé les coffres bien où il faut. ouais. Bon, je crois que c'est par là. Voilà. Voilà. Je m'en doutais, ça c'était obligé. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Heureusement, j'ai pu passer quand même une clé. Voilà, maintenant, a plus que sortir. Hein. Il est revenu là, lui, forcément. Hop. Et hop, directement ici. Sinon, il va me tomber dessus, le truc. Et rien. Je vous jure, ça vaut le coup de se casser les couilles. Et putain, j'ai failli tomber dans les pics. Ah, il y a lui, en plus. Rapido, bah, j'ai dit, tu crèves quand? Voilà, donc maintenant on revient par ici, on va passer par la case sauvegarde. Hop, on tombe directement ici. Restauration de la vie et petite sauvegarde. Et on va s'arrêter ici puisque je suis à la fin de ma durée d'enregistrement. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.